Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. C'est le dernier Manga Café News de la semaine, mais malgré tout, bon, on va finir la semaine avec des mauvaises nouvelles niveau augmentation de tarifs, mais avec d'autres bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est encore une fois Krusty Fondant. Et on commence aujourd'hui avec plusieurs augmentations de tarifs chez différents éditeurs pour 2023. Une anthologie Yun Miyazaki qui arrive chez Kana. Le manga Le Cœur et le Devoir qui arrive chez Doki Doki. Celio qui nous lance une nouvelle collection de fringues pour Hunter x Hunter. Yoichi Takahashi, le mangaka de Captain Tsubasa qui sera présent à Monaco. Le nouveau manga de Keiji Saito. Et pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant! Et oui, malheureusement, le diable de l'inflation n'a pas fini d'être présent puisque l'industrie du manga, encore une fois, est touchée par différentes augmentations. On en avait déjà parlé, divers éditeurs avaient augmenté leurs prix. Cette fois-ci, on a une grosse vague d'annonces pour cette fin de semaine, de nouvelles d'augmentation, de nouveaux prix qui seront présents et qui seront effectifs à partir du 1er janvier 2023. On a, par exemple, des augmentations de prix donc aux éditions Taifu. Vous avez justement le tableau juste ici. Je vous laisse, dans tous les cas, voir un petit peu. Alors, c'est des petites augmentations. Malgré tout, on arrive quand même sur des mangas à 9,35€ maximum. Ça commence à piquer un peu. Pareil chez Ototo, on a différentes augmentations selon le code, en tout cas selon la taille et le choix du manga. Par exemple, les Made in Abyss passent à 9,35€. C'est plutôt gros. Les Tower of God, eux, restent du coup à 8,50€, donc en dessous que les Made in Abyss pour, il me semble, le même format. On a plein d'autres augmentations aussi, vous le voyez, mais en tout cas, on sera plus vers des mangas entre 7€ et 9€ aussi. Chez Ototo, c'est pas fini, bien sûr, puisque, hop, incroyable, on a aussi les augmentations chez Nobinobi à partir aussi du 1er janvier 2023. Donc pareil, il y aura des augmentations. Donc les mangas qui étaient normalement au prix de 6,95€ passeront à 7,20€. Les autres ne changeront pas de prix pour le moment. On a aussi une petite augmentation. Alors Pika, Nobinobi, c'est les mêmes. Mais on a aussi une augmentation donc sur tout ce qui est Attaque des Titans, Fortnite Apocalypse, Toilette Bonne à la Cocoon, tout ça. Bon, ça sera 7,20€, 7,70€. Augmentation de prix, pareil pour les Blue Lock, ça reste du coup à 7,20€. Les Rokuden Hachi Blue resteront à 16€, encore heureux, parce que, hein, ils auraient augmenté vu la qualité qu'ils nous ont fait, bon voilà. Et bien sûr, tout ce qui est code PK41, donc par exemple Yozakura Quartet ou encore Punking Scissor 9 Origins, ça restera au prix de 7,95€. Alors il y a des petites augmentations de prix, mais certains restent chez Pika, c'est plutôt cool. Pareil chez Kiyun, petite augmentation de prix. Alors les Shadow of the Lovecraft prennent 1€. Enfin, de toute façon, les grands formats Webtoon et Lovecraft chez Kiyun prennent 1€. C'est-à-dire qu'on passe de 15 à 16 et du 17 à 18. Ça pique un peu. Là, ça pique un peu, je ne vais pas vous le cacher. Bon, les My Hero Academia et Silent Voice, c'est les moins chers du catalogue. Donc, ils passent à 6,95€, mais on reste encore en dessous de 7€. Donc, ça va. Après, petite augmentation pour les Jujutsu Kaisen Beastar, mais de 5 centimes. Allez. Admettons, Carnet de l'Apothicaire, Valkyrie Apocalypse, Frieren, pareil, on a une petite augmentation de 5 centimes et une augmentation de 30 centimes pour tout ce qui est Clevates, Deathman Display et compagnie. Bon, malheureusement, bah, l'inflation, ça touche tout le monde. Alors, pénurie de papier, augmentation du coût des matières premières, ça c'est sûr. Pénurie, pas vraiment. Par contre, retard au niveau des transports et de la distribution, oui, ça c'est sûr, beaucoup de maisons d'édition sont obligées de retarder leur sortie, voire de les repousser à cause de tout ça. Bref, en ce moment, l'industrie, pas que du manga bien sûr, mais l'industrie du livre en règle générale, est impactée par beaucoup de choses. Le monde va mal, ça part en cacahuète et c'est pas fini, donc moi je vous conseillerais, c'est de vous accrocher et potentiellement si vous avez des séries à finir avant cette fin d'année et qu'ils sont compris dans le prix d'augmentation, concentrez-vous sur celle-là, finissez ces séries avant que le prix augmente. Ça vous fera du coup une petite économie. Surtout que vous avez encore deux mois
pour finir ces séries. Donc allez-y, foncez, concentrez-vous sur les séries à finir avant que ça augmente. Voilà, petites économies, petits conseils, ça fait pas de mal. Une anthologie pour Yoon Miyazaki chez Kana. Vous connaissez sûrement cette autrice pour Après la pluie ou plus récemment Kowloon générique romance. Et bien en tout cas, une anthologie sort. Alors c'est pas réellement une anthologie, en fait c'est un recueil d'histoires courtes qui existait déjà au Japon. Mais il sera noté en tant que anthologie 2007-2017. Je pense que Kana veut un peu jouer sur le même genre d'anthologie que justement que Tatsuki Fujimoto pour gonfler un petit peu les ventes. Mais en tout cas, on va avoir du coup un recueil de 10 histoires courtes des débuts de l'autrice, donc en 2007 jusqu'en 2017, donc vous allez en plus pouvoir suivre l'évolution du dessin. Petit truc que Kana a fait, ce qui dans un sens est pas mal, c'est pour éviter que le manga soit sous blister ou avec un macaron pour public averti, Kana a décidé de faire une couverture réversible pour cette anthologie, c'est-à-dire que vous aurez la première couverture qui est juste ici, qui montre un petit peu les 6 héroïnes des différentes histoires, et aussi cette couverture qui est la copie conforme de celle japonaise. Il faut savoir que c'est vraiment orienté vers un public adulte, puisqu'il y a de la nudité, ça parle de pas mal de choses comme la transidentité, comme les divers sujets de société, les accros aux réseaux sociaux, l'évolution et les travers de la société de consommation. C'est, on va dire, des lectures très adultes qui sont vraiment réservées à un public mature. Et du coup, Kana a décidé de faire cette double jaquette pour freiner un peu les plus jeunes, pour éviter qu'ils tombent sur des choses qu'ils ne comprendraient pas et surtout qui ne sont pas visées pour eux. Donc, vous aurez en magasin cette jaquette, mais si jamais elle vous plaît pas, vous pouvez toujours la retourner et vous aurez la jaquette originale de la version japonaise. Comme quoi, eh ben Kana sont capables de faire des jaquettes réversibles, genre ça coûte très cher, on sait pas, tati tata. Vous l'avez fait sur Shaman King aussi. Pourquoi on l'a pas eu sur Slam Dunk? Pourquoi on l'a pas eu sur Yu Yu Hakusho? Heureusement qu'il y a des passionnés qui refont des jaquettes derrière et que c'est de la qualité. Parce que là-dessus, Kana, vous êtes capable de le faire. On vous attend au tournant pour les prochaines Star Edition et les pseudo perfect qui doivent sortir. Là-dessus, je vous lâcherai pas. Le cœur et le devoir. Un manga qui arrive chez Doki Doki. En plus, c'est un manga court en deux tomes. Deux tomes qui en plus seront disponibles en même temps le 9 novembre au prix de 7,50€ chacun. Mais en plus de ça, il y aura un écrin spécial avec les deux tomes à l'intérieur, donc un coffret spécial avec les deux tomes à l'intérieur. Il n'y a pas de prix pour le moment. On sait que ça sera aussi disponible le 9 novembre. Par contre, pas de visuel non plus de la part de Doki Doki. Donc à voir ce que ça va donner. Comme je vous l'ai dit, c'est une histoire courte en deux tomes. Et en gros, on va y suivre du coup l'histoire d'une jeune femme, d'une fille de la noblesse qui devient la seconde épouse d'un roi en dessous de la reine. C'est-à-dire que c'est purement politique. C'est histoire de, voilà, elle rentre un petit peu en tant que maîtresse officielle du roi pour pas que son pays se fasse cramer. Et le problème, c'est qu'elle tombe enceinte. La reine ne pouvant pas donner naissance, elle, la jeune fille fraîche qui arrive, elle tombe enceinte. Ce qui va fâcher la reine, ce qui va créer des luttes très dangereuses au sein du royaume. Et quel choix va faire le roi? Virer la vieille reine, garder la jeune, faire disparaître le bébé? Vous le saurez dans cette histoire courte en deux tomes. Comme je vous l'ai dit, ça arrive le 9 novembre chez Doki Doki. Ça m'a l'air assez intriguant, faut aimer tout ce qui est royauté et tout ça, mais le dessin est pas mal. Le synopsis m'a l'air intéressant. Maintenant, à voir si l'histoire est cool ou pas. Ça, je vous laisse seul juge. Une nouvelle gamme de vêtements Hunter x Hunter arrive chez Celio. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que c'est aussi dispo sur internet et en magasin. Il y aura les deux. Non, parce que parfois c'est juste sur internet et parfois c'est juste en magasin. Et selon où vous habitez, bah vous n'avez pas forcément l'intégralité du stock. Là, dans tous les cas, il y a les deux. Donc c'est plutôt pas mal. Vous le voyez, il y en a pour tous les goûts. Du t-shirt, du hoodies, c'est plutôt cool. Il y a même du bonnet, du calbut et de la chaussette. Et même des vestes. Voilà, c'est prévu pour le 24
octobre, comme je vous l'ai dit, chez Célio, que ce soit sur internet ou en magasin. C'est pour fêter le retour en grande pompe de Hunter x Hunter. Si vous voulez vous saper un peu Hunter x Hunter, voilà, vous avez toute la petite sélection, Kurapika, Hisoka, bref. Voilà, pour tous les fans, faites-vous plaisir. Yoichi Takahashi, le papa de Captain Tsubasa, Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Du coup, il sera présent au Salon Magic de Monaco en 2023. Alors, le Salon Magic de Monaco, c'est quoi? C'est une convention à Monaco. Alors, par contre, attention, hein, là, on parle de Monaco, c'est pas la Japan Expo, hein, c'est le modèle au-dessus. Il était prévu en 2020, mais malheureusement, vous le savez, le coco l'a empêché. Mais du coup, il sera là en 2023. Ça se tiendra du 25 au 26 février au Forum Grimaldi de Monaco. Bien sûr, il y aura des dédicaces et des conférences du monsieur. Si vous êtes fan de Captain Tsubasa, c'est typiquement l'endroit où il faudra être. Et franchement, c'est cool qu'il soit en France et c'est ultra cool de pouvoir vous faire dédicacer des mangas ou autres goodies de l'univers de Olive et Tom, Captain Tsubasa. Clairement, j'aimerais bien y aller, à voir si je peux. Keiji Saito revient avec un nouveau manga et c'est une comédie Eiichi de fantasy. Avec un nom à rallonge beaucoup plus long que le scénario, pour le coup. En gros, on va y suivre le héros qui a sauvé le monde mais qui du coup retourne au lycée. Au revoir, bye bye le monde de Zisekai, tu retournes au lycée, c'est fini, t'as sauvé le monde, tu peux rentrer chez toi. Sauf que il va se faire approcher par une princesse un petit peu particulière qui veut faire de lui son sex friend. Voilà, l'auteur de Trinity Seven ou encore de Senseiya Dark Wings, qui est le prochain Isekai Senseiya qui arrive bientôt d'ailleurs chez Kurokawa, revient avec ce genre de comédie ecchi. Bon, c'est une prépublication japonaise, c'est dans le Champion Ren d'Akita Shoten, ça vient tout juste de commencer. Bon, c'est pareil, c'est une prépublication japonaise, mais au vu de ce que c'est, je crains de savoir chez qui ça va finir en France. Les connaissants. Je suis sûr que vous savez de qui je parle. Affaire à suivre. Je vous donnerai peut-être la bonne nouvelle, un de ces quatre. Même si je sais pas si c'est réellement une bonne nouvelle. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas un manga intéressant. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Kana avec le deuxième tome de Darwin Incident. Le coffret Goldorak édition limitée qui revient, ainsi que le coffret des trois premiers tomes de Hunter x Hunter. Le sixième tome de Togenenki, le premier tome de Vanipied et le 57e tome de Zeta Karen Children. On passe chez Ankama avec le troisième tome de Space Punch. Chez Taifu Comics sort le troisième tome de Entre Soi. Chez Ototo sort le dixième tome de Danmaki Sword Oratoria, le neuvième tome de Fate Apocrypha et le quinzième tome de Mayball. Chez Manhead sort le deuxième tome de Apotheosis. Chez Iwa sort le huitième tome de Blitz. Chez Isan Manga sort le quatrième et dernier tome de Big X. Et pour finir, chez Noev Graphics, le tome 5 d'Arrête de me chauffer Nagatoro ainsi que sa version Deluxe. Le huitième tome de Runt A Girlfriend et le deuxième tome de Wendance. Bon voilà, petite sortie pour cette fin de semaine. Je sais pas si vous allez encore acheter des mangas. Vous achetez beaucoup de mangas, non? Hein? Moi aussi, oui, c'est pas grave, c'est la passion, c'est normal. Donc dites-moi tout ça en commentaire et quelles ont été les news que vous avez préférées et quelle série peut-être vous allez finir avant que son prix augmente. Moi je me dis que... même si j'essaye de faire des économies en 2 mois, je crois que je vais avoir du mal, mais bref, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, on se retrouve lundi pour le retour du Manga Café News, mais ne vous inquiétez pas, ce week-end il y aura des petites vidéos bonus, on est dans le thème d'Halloween, donc on va parler de 2 mangas parfaits pour Halloween, on continue. Donc d'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une agréable journée. C'était Méric, boujou, les internautes.